Bonjour et bienvenue sur Pédagogia, la chaîne qui parle éducation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose un tuto simple pour réaliser une activité autour des couleurs. Cette activité, elle peut être proposée à des enfants qui ont entre 2 et 3 ans. Mais si vous voyez que l'enfant manifeste un intérêt particulier pour les couleurs avant cet âge-là, n'hésitez pas à lui proposer. À ce sujet-là, Maria Montessori voyait l'enfant un peu comme une fenêtre ouverte sur ses besoins. Du coup, c'est à vous d'être observateur et de proposer des activités qui soient en adéquation avec les besoins de découverte et de développement de l'enfant. Cette activité sera un excellent moyen de découvrir les couleurs, mais également de travailler la motricité fine. C'est par les mains que l'enfant apprivoise son environnement et va ensuite pouvoir le transformer. Ici, il va développer sa pince et va pouvoir muscler sa pince grâce à l'utilisation des pinces à linge. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin de carton. Moi, j'ai par exemple récupéré un emballage de céréales au recyclage. Vous aurez besoin de feuilles de couleur, vous aurez besoin de colle, de ciseaux, et vous aurez également besoin de pinces à linge et éventuellement de feutre. Allez, c'est parti, on commence ce tuto avec le découpage de notre cercle qui nous servira à fabriquer notre roue des couleurs. Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't.
out now. These breaths don't.